En tant que Badianougor, vous jouez un rôle essentiel dans les communautés pour la promotion de comportements favorables à la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Votre soutien, suivi, orientation et accompagnement des femmes lors de la grossesse, de la petite enfance, améliore le taux d'enregistrement des naissances. De par votre leadership reconnu dans les villages et quartiers, vous êtes souvent impliqué dans les questions d'enregistrement de naissances. En tant que Badienne, vous devez sensibiliser, accompagner et orienter les familles pour un enregistrement effectif des naissances. Je suis Khadijatou Thiam, formatrice à la direction de l'État civil. Cette capsule vidéo est conçue pour vous. Elle vous permettra d'améliorer vos pratiques quotidiennes pour l'enregistrement des naissances à l'État civil. Deux activités sont prévues. La visite à domicile intégrée des femmes enceintes, l'orientation des parents familles à l'État civil pour une déclaration. Allô? Bonjour Elia. C'est moi, Badiane Marie-Odile. Tu vas bien? Tu as déjà fait ta première visite? Je vais venir demain pour les visites à domicile. Parce que c'est moi qui dois te suivre durant tes 9 mois. Merci. Bonjour. Eliane, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Merci. Et ta santé? Ça va bien. Tu sais bien que l'heure approche. Je le sais. Et tu dois accoucher dans une structure de santé. Je le ferai. D'accord. Merci. Nous venons de voir la Badienne recueillir les informations sur les femmes à suivre, à savoir le nom, prénom, l'adresse et numéro de téléphone pour une première prise de contact. Pendant les visites à domicile intégrées, la Badienne va sensibiliser les femmes sur les avantages à accoucher dans une structure de santé qui facilite aussi l'obtention de l'acte de naissance. Félicitations, papa. Merci. Ça, c'est le certificat d'accouchement. Ça vous permet de faire la déclaration de l'enfant à l'état civil. Que l'enfant naisse et grandit, qu'il ait des parents qui l'accompagnent. Amin. Et merci beaucoup. Voilà. N'oublie pas de le faire dans les 30 jours qui suivent l'accouchement. D'accord. L'accouchement dans une structure de santé permet à la maman et à l'enfant de bénéficier des politiques publiques sanitaires en vigueur, telles que la gratuité de la césarienne en cas de complications, la couverture maladie universelle, etc. Après l'accouchement, un certificat est délivré aux parents. Ce certificat d'accouchement est une preuve de naissance, mais pas un acte de naissance. À cet effet, les Badianougor doivent rappeler aux parents leur devoir de faire la déclaration de naissance au niveau du centre d'état civil. Eliane n'est pas venue pour faire sa visite postnatale. Attends, je vais l'appeler. Allô? Eliane, comment vas-tu? Et le bébé, il va bien? Tu n'es pas venue faire ta visite postnatale? Tu es à la maison. Je vais venir tout de suite te voir. Pourquoi tu n'es pas allée à ton rendez-vous postnat? J'ai laissé ma mère pour te reposer. Pourquoi?
pour te reposer. Pourtant, je t'ai parlé de l'importance de respecter les rendez-vous postnataux. Est-ce que l'enfant a été déclaré? J'ai déclaré. Donc, amen, je vais voir. Mais madame, donnez-moi l'acte de naissance. Ça, ce n'est pas un acte de naissance, c'est un certificat d'accouchement. Tu prends le certificat d'accouchement, tu en parles à ton mari. Il prend vos deux copies d'identité et il part à l'état civil déclarer votre enfant. C'est votre devoir en tant que parent envers votre enfant. Ce soir, je vais en parler à son père. Donc, on se voit au prochain rendez-vous. La Badiandogor consulte le cahier de suivi pour vérifier le respect des rendez-vous postnataux. Comme vous le savez, certaines femmes ne respectent pas les rendez-vous et parfois changent d'adresse. Elles sont considérées comme perdues de vue. Le suivi doit se faire en trois étapes. Vérifier le respect des rendez-vous, prendre contact avec la maman, vérifier si l'enfant est enregistré. Sinon, s'informer sur les raisons, sensibiliser et orienter les parents pour déclarer leur enfant. Maintenant, je te remets le volant après avoir déclaré ton enfant. Bon, on vous félicite, comme tous les papas qui viennent déclarer leurs enfants. Il est de la responsabilité des parents, des prestataires, de ceux ou de celles qui ont assisté à la naissance de procéder à cette déclaration. Pour l'enregistrement systématique des naissances, l'initiative des coins état civil favorise la transmission des notifications de naissance. Un guide d'installation a été élaboré à cet effet. Les parents doivent se rendre néanmoins à l'état civil avec les pièces annexes pour procéder à la déclaration. Les parents ont un délai de 30 jours pour déclarer leur enfant. Si le délai d'un mois est passé sans pour autant que les parents n'aient déclaré l'enfant, vous devez aller leur rendre visite, vérifier les blocages et les orienter pour une déclaration. Vous les rappelez également que la déclaration de naissance permet à l'enfant de bénéficier de soins gratuits durant les 5 premières années. Cher Badienne, dans cette capsule, vous avez accompagné et orienté une famille pour la déclaration d'une naissance et l'obtention du volet 1. Votre mission a réussi grâce à une connaissance du processus d'enregistrement de naissance et surtout de votre engagement envers la communauté. 4 compétences professionnelles ont été développées, à savoir la capacité de suivre les femmes identifiées avec les prestataires au niveau de la communauté, la capacité de rechercher les femmes perdues de vue, la capacité de sensibiliser les parents sur l'importance de déclarer leur enfant et la capacité d'orienter les parents pour aller déclarer leur enfant. Si vous voulez réussir votre mission d'actrice de prévention et de promotion au sein de la communauté, exploitez le contenu de cette capsule vidéo. Elle vous aidera à structurer et à améliorer vos interventions relatives à la sensibilisation, l'orientation et l'accompagnement des parents pour déclarer leur enfant. Ensemble, nous allons protéger l'un des droits de l'enfant. Le droit à un nom, une identité et une nationalité. Alors, déclarer les naissances, cela permettra d'avoir un acte de naissance,
l'accès aux soins médicaux et à l'éducation.